Bonjour à vous, donc aujourd'hui voici une nouvelle vidéo sur mes abonnements de chaîne YouTube. Donc toutes les chaînes auxquelles je suis abonné, donc elles sont toutes en dessous dans la description, vous les retrouverez toutes avec les liens des chaînes. Il y en a environ une trentaine, je vais essayer de faire vite. Regardez jusqu'au bout parce qu'il y en a certaines qui valent vraiment le coup d'être vues. Et voilà, donc il y aura les liens dans la description. Et je vais vous montrer en même temps comment vous abonner à une chaîne. Donc je commence par la première. Là, pour moi, voilà, dès que je reçois une notif d'eux, j'arrête ce que je fais en général et je regarde leurs vidéos. Ils sont extra. C'est une famille française qui vivait au Québec, qui ont tout lâché pour vivre en caravane. Donc voilà, je vous explique, je vous en dis pas plus. Regardez, franchement, ça vaut le coup. Donc pour vous abonner, vous avez juste ici s'abonner. Et juste à côté, il y a une petite cloche. Et là, c'est pour recevoir les notifications. Donc vous pouvez le faire aussi bien sur ma chaîne pour recevoir, pour vous abonner et recevoir aussi les notifications. Et aussi s'abonner aux chaînes que je vais vous présenter, dont celle-ci qui, à mon avis, est la une des meilleures, on va dire. Pas la meilleure, mais une des meilleures. Ils sont extra, c'est un couple avec deux enfants, donc allez les voir. Ils sont actuellement au Mexique, et je vous en dis pas plus. Ensuite, deuxième chaîne, c'est De Celos. Bon, ça commence. Hop. Voilà. C'est une chaîne musique, ça n'a rien à voir. Ils sont extra ces gars-là. Hop. Donc il y a le lien dans la description. Ça vaut le coup d'être vu. Ensuite, allons voir le monde. Un couple d'infirmiers qui sont partis faire le tour du monde à pied, je crois, de souvenir. Et oui, ils sont à pied. Et voilà, il y a pas mal de vidéos. J'adhère pas trop, c'est pas trop mon truc que j'accroche pas, mais après voilà, hein, c'est suivant les personnes. Hein, mais il y a des super paysages, voilà, c'est intéressant quand même. Amixem, il est d'Angers, donc de ma région, de ma ville. J'adore ces vidéos. Un petit peu, voilà, un petit peu décalé. Je l'ai connu sur une vidéo à l'époque où le jeu Pokémon était sorti, Pokémon Go, donc enfin une chose que j'adhère pas du tout. Et en fait, j'ai reconnu ma ville par le biais de sa vidéo. Et en fait, en m'abonnant, je me suis rendu compte que bah, c'est un gars extra qui a fait des choses, une chose au moins formidable, je dirais au moins une, parce qu'après je ne connais pas vraiment. Avec Super Connard. Super Connard, c'est Cyril, c'est une autre chaîne YouTube que je vais vous présenter après. Ils ont fait le 4L Trophy, ils ont fait un don énorme pour le 4L Trophy. Je vous laisse regarder leur vidéo. Donc il y a à la fois sur la chaîne d'Amixem et sur la chaîne de Super Connard, Cyril. Ce qu'ils ont fait pour le 4L Trophy. Donc, je vous en dis pas plus, allez voir leur vidéo. Anna Della, alors elle fait des vidéos sur Periscope, elle fait des directs sur Periscope, et elle fait aussi des vidéos sur, voilà, sur YouTube. Je me suis abonné, j'adhère pas trop sur le côté de remise en question de soi-même, d'état d'esprit et tout ça, mais voilà, elle est douce, elle est tranquille, et voilà, ça change de certaines vidéos, et voilà, moi j'aime quand même ses vidéos pour ce qu'elle est, pour les paysages qu'elle nous montre des fois, voilà. Armurerie Auxerre, voilà, parce que j'adore les armes, et c'est là où je me fournis aussi quand j'ai besoin de certaines choses, et aussi pour voir, rester informé de toutes les nouveautés qui sortent, qui, eux, se permettent de tester. Bastien le Pirate, là, celle-là, je l'ai connue il y a très très peu de temps. Il est balèze et il vous aide pas mal pour votre chaîne YouTube. Donc voilà, je me suis abonné, j'ai pas encore le temps de regarder tout le contenu, mais le peu de vidéos que j'ai regardées d'une playlist qu'il a fait, elles sont extra. Bricolage facile, voilà, il y a des idées sur tout.
Il y a surtout des idées aussi. Voilà, c'est, j'aime bien le bricolage et franchement, il y a pas mal de choses sympas à regarder là-dessus. Brico Vidéo. Alors lui, il fait des vidéos Lidl, enfin sur les des maté du matériel qu'il achète à Lidl, ce qui est perceuse, visseuse, perceuse à colonne. Enfin bref, il y a énormément, énormément de choses qu'il achète à Lidl et qui est plutôt pas mal. Moi, je dirais un seul petit bémol, c'est qu'il y a un petit manque de professionnalisme. Enfin, pour moi, hein. Voilà, sur certaines choses, enfin sur des petits détails, mais voilà, pour quelqu'un qui bricole comme ça vaut le coup d'être vu quand même, parce que Lidl fait aussi de très bons produits, donc voilà, vidéo chaîne à voir. Barnabé, Chaillot Barnabé, alors lui, il gagne à être connu. Il est extra, il fait des poêles à bois style Rocket Stove, donc à partir de bouteilles de gaz. Voilà, donc là c'est une vidéo où il en a offert à des personnes sans abri du côté de Grenoble. Donc voilà, je vous laisse regarder sa chaîne, ses vidéos. Voilà, c'est pas mal, c'est très bien expliqué et à partir de rien. Donc là c'est tout ce que j'adore. Colin Furze, alors lui, déjanté, un anglais déjanté. Voilà, sa dernière vidéo, c'est une voiture autotamponneuse avec un moteur de moto. Il a même fait, donc là vous avez la voiture autotamponnante, et il a même fait aussi un bunker, donc un blockhaus dans son jardin. Voilà, ça vaut le coup d'être vu, franchement ça vaut le coup d'être vu. Cyril Super Connard, donc comme Amixem que je vous ai dit plus haut. Donc lui, par contre, Cyril, il est originaire du Pas-de-Calais, donc comme moi, un ch'ti. Donc il a été connu comme Amixem sur les vidéos de jeux gamers, de jeux vidéo. Et voilà, il a fait pas mal, il a un côté ironique, enfin humoristique dans ses vidéos que j'adore. Voilà, c'est. Même si je suis très sérieux dans mes vidéos, j'adore déconner dans la vie de tous les jours. Et lui, il déconne comme j'aime déconner dans ses vidéos. Donc, et vous avez les vidéos du 4L Trophy aussi sur sa chaîne. Et il y a 4 jours, il a envoyé un morceau de baguette dans l'espace et ça se termine très mal. Je ne vous en dis pas plus, allez voir sa chaîne. Experiment Boy, donc lui. Ouais, il y a du lourd, hein. Il y a du lourd dans ses vidéos. La dernière de ses vidéos, c'était un direct. Et parce qu'il fait des directs aussi, et ils ont fait exploser une voiture, je sais plus trop où. Enfin, tout est sous autorisation, hein, bien sûr. Il a des autorisations, il a tout, et voilà, il est balèze. Un petit peu trop expressif dans sa manière d'être, je dirais. Voilà, c'est le seul souci que je pourrais dire, pour ma part, hein, tout à fait. Mais par contre, voilà, il est balèze, un petit génie. Un petit génie. Gonzague, alors lui, c'est des vidéos, des caméras cachées. Et pareil, voilà, il fait bien rigoler dans ses vidéos. Donc voilà, je me suis abonné, bon, on va dire sans plus, mais ça vaut le coup d'être vu. Ibra TV, alors Ibra TV, lui, il fait du sport, il est super baraqué. Il a une autre chaîne aussi qui s'appelle Ibra Plus, qui est juste ici, dans lequel je suis abonné. Et en fait, il fait de tout. Aussi bien, il piège des vrais racketteurs qui menottent à des barrières, que se faire enfermer dans un cinéma pour jouer à la PlayStation, se faire enfermer dans un McDo, piéger un pédophile, se faire enfermer dans un centre commercial. Il y a eu, voilà, il demande à des gens s'il veut une tarte et en fait, il a une tarte dans sa poche, mais une tarte aux pommes. Enfin voilà, il est un petit peu décalé, mais franchement. Ça va loin des fois, c'est pas mal. Iodure métallique. Alors lui, je vais vous en reparler dans une prochaine de mes vidéos. Lui, c'est un petit génie de l'informatique et de technologie motorisée.
Voilà, ça vaut le coup d'être vu. Alors voilà, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Lui, il ne demande, enfin voilà, il n'a pas un site payant, il ne monétise rien. Enfin, vous verrez, je vous expliquerai dans ma prochaine vidéo, ce sera plus simple. Mais abonnez-vous à sa chaîne surtout parce que franchement, c'est pas mal. Yvonne et Pita. Alors là, je les ai connues avant-hier. C'est deux jeunes femmes qui ont déjà fait le tour du monde, je crois, à pied. Et là, qui vont le faire le tour d'Europe en camping-car. Et qui veulent travailler à gauche et à droite. Et faire aussi partie, enfin, de l'association, du bénévolat. Voilà. Donc, franchement, elles sont charmantes comme tout. À mon avis, c'est une très bonne chaîne à suivre, très prometteuse. Jack va le film. Alors là, il fait des caméras cachées aux États-Unis. Voilà, bon, c'est marrant. Voilà, on rigole. Il a un petit truc dans sa main qui fait des proutes. Voilà, bon, c'est juste histoire de regarder, de rigoler. Jojo Bernard, un ch'ti encore qui fait des vidéos. Et voilà, c'est pareil, toujours sur l'humour et c'est pas mal. Il a une deuxième chaîne qui est le Jojo Show. Donc là, c'est pareil, ça vaut le coup d'être vu avec une vidéo toutes les semaines. Jojol, donc lui, c'est plus pour tout ce qui est technologie sur téléphone et puis un petit peu tout, hein, vous voyez, j'ai piloté un robot à 300 000 euros. Enfin bref, il y a des trucs, c'est un petit peu nul, mais voilà, il y a des tests comme la GoPro Hero 5. Des tests de drones que j'adore, voilà. Franchement, moi j'aime quand même sa chaîne, même si des fois il y a certains tests qui me paraissent un petit peu voilà, inutiles pour moi. Le mécano du dimanche, donc là c'est quelqu'un qui répare des deux chevaux, enfin des tractions, plein de vieux véhicules. Donc comme j'ai une deux chevaux et que j'adore les vieux véhicules, ou même sa manière de bricoler, il est très très bien outillé. Voilà, je me suis abonné à sa chaîne. Jimmy Labeu, alors là, c'est un Belge qui parle dans ses vidéos sans aucune pincette et qui est. Voilà, enfin, je sais pas si je vais tomber dessus sur un petit passage. Mais voilà, il n'a pas de. Ah, c'est drôle, hein? Et je t'emmène! Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Si vous voulez suivre ces vidéos, vous pouvez y aller. Là, c'est Loïc Silver. Donc, c'est un gars qui est de Angers, donc encore de ma ville, et qui fait des chansons et qui chante, je trouve, super bien. Donc, allez voir. Franchement, il a de l'avenir. À mon avis, il va. À mon avis, il y a. Voilà. Voilà, je vous en mets pas plus. Donc Loïc Silver, donc je vous rappelle, hein, tous les liens sont dans la description. Là, on est sur la chaîne de Mamie Tweak. Alors là, c'est un gars qui fait de l'urbex. Donc c'est de l'exploration de bâtiments abandonnés ou enfin voilà, plein de lieux abandonnés. Et c'est pas mal. Et voilà, enfin abonnez-vous à sa chaîne. Et allez voir ses vidéos parce que là, franchement, il y a du gros dossier et ses chaînes sont d'une, enfin, ses vidéos sont d'une qualité. Elles sont toutes super bien alimentées, que ce soit sur l'historique des lieux et tout. Il travaille super bien ses vidéos. Donc là, à conseiller plus, plus, plus. Master Milo, alors là, eux, c'est des Hollandais ou des Allemands, je sais plus trop. Je vais parler au passé, ils faisaient des projets de malades. Par contre, leur bâtiment a pris feu. Il y a une vidéo là où on voit toute la fumée. Il y a eu un souci, je ne sais pas, je sais plus comment s'expliquer. Enfin, voilà, je comprends très très peu l'allemand. Et voilà, de ce que j'ai compris, c'est à la soudure ou à la disqueuse qu'il y a un chiffon qui a pris feu avec de l'essence. Et voilà, du coup, leur bâtiment a pris feu avec tous leurs projets qu'ils avaient. Ensuite, alors là, c'est Micode, chaîne créée il y a 2 mois, 2 mois, et il a 261 919 abonnés. Un petit génie de l'internet, voilà, il nous explique plein de choses sur les virus et tout ça sur internet.
sur le téléchargement illégal. Enfin voilà. Lui, à mon avis, c'est très prometteur et il va. Voilà. Le million d'abonnés n'est pas loin. Primitive Technologies, donc lui, vous l'avez connu sûrement. Il a construit une cabane seul à partir de rien dans une forêt. Vous avez dû, ça a fait le tour d'Internet cette vidéo. J'essaye de trouver le moment où on voit la cabane d'extérieur. Clac. Enfin bref, il est super balèze. C'est une très bonne chaîne, donc qui est ici. Voilà, elle est souvent alimentée. Le seul reproche, c'est que il n'y a pas de son dans ses vidéos. Donc voilà, il n'y a aucune explication, c'est à nous de comprendre tout ce qu'il fait, donc voilà, c'est un petit peu dommage. Ensuite, Squirrel Survivalist Kill. Alors lui, c'est un Hollandais, je crois, qui fait des vidéos sur le survivalisme. Pareil, des super bonnes vidéos, très bien expliquées, à recommander. Donc par contre, elles ne sont plus, sa chaîne n'est plus alimentée, et c'est bien dommage. Là, on est sur Squeezie. Alors là, c'est une chaîne que j'ai rencontrée, enfin, voilà, il n'y a pas longtemps, je suis tombé dessus. Et bon, j'adhère pas trop. J'ai regardé juste une seule, deux vidéos. Donc j'attends de regarder un peu plus pour en dire, voilà, pour en dire plus sur sa chaîne. Mais voilà, je restais un petit peu sur ma faim quand même sur ces vidéos. Steven. Pareil que Jojol, tous les derniers tests de téléphone, enfin, tous les derniers gadgets informatiques. Voilà, super bien expliqué comme Jojol, très bonne chaîne à recommander. Tasher SBD. Alors là, je ne sais pas si je dis bien, mais c'est une petite, enfin voilà, une petite mamie qui est québécoise et qui fait des vidéos dues au Québec. Elle me fait, c'est une petite mamie que j'adore. Genre, je sais pas si elle est mamie, mais voilà. Elle me fait penser, moi, à ma mamie. Et hop, on va mettre. Voilà, là on la voit. Peut-être juste essayer le hamac avant de partir. Voilà, avec le bon accent québécois. T'as devoir avoir de l'écorce jusqu'ici. Voilà, donc franchement, ça vaut le coup d'être vu, et moi, elle m'éclate. Et voilà, donc, et puis ça change un peu de voir du Québec dans les vidéos. Vivre simplement, là, ça, c'est un super gars, celle-ci, faut s'y abonner. Il ne met pas souvent des vidéos, enfin, trop peu à ma sauce, à mon goût, on va dire, mais elles sont super, super bien expliquées. C'est un gars qui a vécu, qui est parti de rien, à ce que j'ai compris, qui a vécu en forêt. Voilà, au début par obligation et après par envie. Et voilà, il est en osmose avec en symbiose complète avec la nature et je crois que voilà, il vivra pas autrement. Il a vécu en camion, il a vécu des fois je sais qu'il va chez son frère un truc comme ça en appartement. Enfin voilà, mais ça se passe pas super bien pour lui en appartement, il préfère la nature et voilà, il nous explique plein de bonnes choses. Sur le gâchis alimentaire aussi par les supermarchés, entre autres. Allez voir ses vidéos, il est super cool, un super type, moi j'adore. Et la dernière chaîne, c'est Walan, un ch'ti encore de Lille, je crois, qui fait des vidéos de moto, voilà, donc pour le côté humour encore, pour le fun, il est extra. Donc voilà. Fin de moi, mes abonnements. Vous pouvez mettre les vôtres en commentaire dans la description, enfin en dessous de la vidéo. Tous les liens de toutes les chaînes là vont être dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la petite clochette et comme ça vous serez averti des prochaines vidéos qui sortiront de ma part, qui seront le test d'un GPS pour le vélo ou randonneur à mon avis. Voilà, il va falloir que je le teste vraiment. Et voilà, et d'autres encore qui arriveront, donc je vous en dis pas plus, j'en suis presque à 20 minutes de vidéo, je suis vraiment désolé, une vidéo encore très longue,
Mais ça vaut le coup d'être fait, d'être partagé, parce qu'il y a de très bonnes chaînes là-dessus. Allez, bonne journée!